Le printemps est là, et avec lui l'apparition des fleurs, le temps plus doux, les jours qui se rallongent, mais également l'apparition de certains parasites. Bref, je vais voir aujourd'hui avec vous les changements qu'apporte cette saison dans notre quotidien avec nos animaux. Comme on l'a vu dans la vidéo 4 astuces pour passer un bon hiver avec son chat, nos compagnons ont aussi besoin de soleil et de jours pour être en forme. Avec les jours qui rallongent, nos compagnons font le plein de vitamine D et sécrètent moins de mélatonine, donc auront tendance à être un petit peu plus énergiques. Bon, on va pas se le cacher, jours plus doux et plus longs sont synonymes d'agréables balades. Nous sommes bien plus motivés à nous promener plus longtemps au soleil que lorsqu'il fait nuit et froid lors des soirs d'hiver. Donc forcément, nos chiens pourront profiter de sorties beaucoup plus longues et beaucoup plus fréquentes, ce qui est idéal pour leur bien-être et leurs dépenses quotidiennes. Néanmoins, attention, puisqu'avec les hivers de plus en plus doux, les puces et les tiques arrivent non seulement plus rapidement, mais sont de plus en plus nombreux. Donc faites bien un check-up après chaque balade pour vérifier que votre chien n'ait pas chopé des tiques, pour pouvoir les enlever le cas échéant. Faites attention également, puisque c'est la période des chenilles processionnaires qui peuvent être mortelles pour nos compagnons. C'est également la période du pollen ou des épillets qui arrivent fin printemps. Ces éléments végétaux peuvent perturber nos chiens et chats s'ils en sont allergiques. Les allergies peuvent déclencher des réactions cutanées plus ou moins graves, donc parlez-en à votre vétérinaire et essayez de mettre en place avec lui des solutions plutôt naturelles dans la mesure du possible. D'ailleurs, si une vidéo sur le sujet vous intéresse, je vous en ferai une, dites-moi ça en commentaire. En tout cas, l'arrivée du printemps est plus qu'appréciée ici. On vit avec les baies vitrées ouvertes, on fait des plus longues promenades, c'est un véritable régal. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos avantages à l'arrivée de cette saison que j'aime particulièrement. Moi, je vous fais à toutes et à tous des très gros bisous et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo Assure au poil.